réclamé par les Américains ou bien l'option militaire. Voilà la situation de l'Est et de la RDC et tous ces enjeux. Moteba na Congo place non soko pour la Nagaï, na chaîne na Bisto, vous likez l'émission, vous partagez partout pour que moi la Moka non so Aloka Alanda, madame Moka Congo. Voilà un peu tout et je peux te passer ma information. Il y a Est et RDC particulièrement. La question a été posée. Nous allons vers la solution politique. Oui, ils allaient qui réclamer par les Américains. Ou bien nous allons maintenant vers l'option militaire. Voilà les enjeux où ils allaient atterrir maintenant. Pour la Macambo, Est et RDC. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons dans Luanda, là où Kagame va tirer devant fait accompli Banamboka Congo. C'est-à-dire quoi? Tellement qu'il réclamait les FDLR. Et il y a Basali appel, il y a Batounion sur la région pour que Baruka moyen il y a retrouvé solution politique selon les Américains comme ils avaient demandé. De tout le monde qui est Union africaine, tout le monde qui est la communauté nyonso régionale, il y a qui cause la pression à M. Kagame pour qu'une solution soit trouvée à l'est de la RDC. Et la RDC a présenté un plan. Il y a un plan de neutralisation de la FDLR. Et ce plan présenté par la RDC, ce plan était clair et net. Un plan qui a été apprécié par tout le monde. Luanda, tout ça, il y a un niveau à Luanda, où on avait apporté le plan de la neutralisation à la FDLR. Et d'ailleurs, le plan, facilitateur João Lourenço, le facilitateur choisi par l'Union africaine, ce plan était très clair. Et avant même que le plan Wana soit présenté par Namaboko et médiateur João Lourenço, il a été d'abord observé, étudié, examiné par les Rwanda. Puisque vous savez bien que les Rwanda, de sa part, réclamera toujours FDLR, FDLR. Là maintenant, tout est à un niveau rapide, tout est à un niveau à Rwanda. Après avoir présenté ce plan, plan Wana et comme je dis beaucoup de discussions, il y a un expert de sécurité. Il y a Rwanda, il y a Angola et puis il y a RDC. Là où il y a eu des discussions sur base, il y a plan, il y a ma neutralisation, il y a ma FRL. Après avoir été présenté par des experts, oh, bah, ça là qui nous se présente, c'est lui qui devait éditer, il a édité. C'est lui qui devait faire des propositions, il a proposé. Oh, il y a ça là, non, là c'était dans la date du 7-8 mois 2024. Après avoir terminé cela, ce plan a été présenté par les diplomates au Pouva Kiango. C'est-à-dire les diplomates, il y a États-Unis d'Amérique, les diplomates, il y a Mounbal, il y a SADC, représentation régionale, il y a SADC, ont approuvé cela. Les Américains ont approuvé cela. La MONUSCO a approuvé cela. L'Union européenne a approuvé cela et l'Union africaine a approuvé ce plan. Il y a neutralisation du FDLR. C'était dans le moment où la chose ou bien a été close. Le problème où il y a FDLR, là déjà, tout ce qui devrait se faire. Et voire même, ils sont allés très loin. Il y a pour ça l'anime, il y a pour ça l'ana calendrier. Calendrier, oh, ils allaient qui prennent un baillet, ben dengenini, ben posanini, ben pour neutraliser ben FDLR. Et Kagame a accepté cela parce que Kagame peut ben expert naïe ben signer qui, ben moi peut ben approuver qui, plan ou en aïe neutralisation soit ben FDLR. Voilà maintenant ce moment-là, option nous sont, oh yo, et c'est là qui prennent pour mettre fin à guerre et à peste. Option que tout ce que nous pouvons faire,
Tu as plein de métrages, soit FDLR et Salami. Maintenant, nous devons maintenant passer à l'étape supérieure. Tout ce que je suis en train de dire, et j'ai dit par rapport, il y a réunion au Tiko Salamana, Zimbabwe, où on a facilité le réseau, avec qui il y a un rapport, un rapport, un rapport, un rapport, et pas Yaba, ni Nanaye, ma collègue Naye. Il y a pas président, il y a Sadek, na wapi na Zimbabwe, place à venir pour ça la réunion où les Sénégalais qui prennent pour changer président, il y a fort, il y a région, il y a Sadek, où ils allaient qui président, présidence, où ils allaient qui dirigé par le président João Lourenço, et maintenant et comme na maboko ya Mnangagwa Zimbabwe. Voilà maintenant, au moment où maintenant il fallait traiter les problèmes, le président João Lourenço, le facilitateur, qui est désigné par l'Union africaine, devrait maintenant, au même temps, et pas y avoir collègue Naye à Sadek. C'est pour cela qu'il a commencé d'abord, il y a au moins un président Nonso, il y en conflit, c'est-à-dire le président Tshisekedi et le président Kagame du Rwanda. C'est pourquoi le président Lourenço est allé au Rwanda et puis il est retourné en RDC. Mais il a eu des difficultés au Sénégal et au Bélayango. Parce que lorsque Kapitaine na Kagame, Kagame a l'acquisie qu'il est d'accord dans le plan où il y a neutralisation, il y a la FDLR. Mais en d'autres points, Kagame a commencé maintenant à résister. C'est-à-dire, lorsque va y épicer maintenant, dites-nous, quand est-ce que tu vas commencer à faire sortir le force rwandaise au Yobazali sur le sol congolais? Wana pas wana, Kagame n'était pas d'accord. Parce que wana Kagame a continué qu'il fallait à sa ligne, à vous présenter le poussot et à baisser. Choix au comment est-ce que hier a commencé à force à le terrain. Et il a posé encore, tu vois qu'il a pas même débit à sommet dans une soirée. Moi qui chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté qui situation, non surtout il y a S et RDC devant ma homologue Naye. Placeline, il a traité avec comment est-ce qu'il faut soutenir sa médiation. Et que si le terrain aille à Bélini à fonctionner, wana sommet, wana mini sommet. Et ça va qui, avant que le chef de l'État, pas qu'il t'en la sol, pas qu'on t'a dosé dans le bango, ou essayer qui, et ça va y remise et reprise. Maintenant, en arrivant dans Zimbabwe, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, après avoir coupé ça, na Troïka, et que la situation non surtout sécuritaire, il y a S et RDC. Après avoir posé le discours, on a Wanda maintenant c'était João Lourenço, au Sénégal qui a présenté le bonsoir homologue, il y a Sadek, a décidé qu'ils vont soutenir l'armée congolaise, ils vont soutenir la RDC financièrement, politiquement, et puis na équipement. C'est ça la décision où il y a Sami Diassi. Il y a Sadek envers Sami Diassi. Là maintenant, ils vont donner tout ce que je viens de citer là. Ils vont donner les moyens financiers. Bah, pour payer ça, va moyen en finance. Bah, pour payer ça, va moyen technique. Bah, pour payer ça, moyen logique. Voilà maintenant Sami Diassi. À quoi ma force, mon coup, à ma case, puisque à cause soit déjà par le cognon sur Oyo. Et c'est Nadi. Et maintenant, la force autour de Yassami Diassi, le chef de l'État a décidé qu'il faut que le chef d'État-major général, il y a une force non sur le Sadek, pour se réunir. Mais ils vont se réunir quand? Ils vont se réunir après le 20. Maintenant, la date du 20 août 2001. 24. Qu'est-ce qui doit arriver?
La date, il y a 20 août 2024, le ministre se réuniront à nouveau, Wana Nangola, devant le facilitateur Joao Lourenço. Quel ministre? Le ministre de la RDC, Mama Thérèse Kayikwamba, et M. Olivier, qui est le ministre de Rwanda. Wana Bango Bakusangana, Bako Koutana, pour la base de ressources, Wana pour la situation sécuritaire à SRDC. Là maintenant, les amis de Kola, l'une des dernières réunions. On a réunion, on a pour la ça. Maintenant, dans ce cas, la réunion Wana, il serait maintenant à Kagame, où, à travers le ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda, où il va faire la Olivier, il y a maintenant temps pour eux de s'amener de décider s'il y a la guerre totale ou bien la paix totale. Parce que le problème qui bloque en ce moment où nous parlons est d'aller retirer. Il y a la force, il y a RDF, donc les forces militaires rwandais, au Yobazali, dans son Congolais. C'est sur base de ces points-là qu'ils vont maintenant discuter. Nangwapi, Nangola, avec tout autour de la facilitateur Joao Lourenço. Voilà la situation où nous tous en avons maintenant dans le cadre de la guerre à l'Est. Mais en même temps, les États-Unis d'Amérique n'ont pas été contents. L'Amérique a été perquisée dans la façon où le SADC a décidé. Pour eux, c'est comme si SADC a décidé si vite. Il ne fallait même pas arquer de la vitesse pour ce SADC, par le président membre, il y a SADC, il va participer qui, par nous, nous sommes tous les présidents qui sont là dans la 4 réunion. Environ 16 présidents. Et il va décider que nous sommes là. Ce qui, Kagame a s'entêté, Bango va vous obliger par 4 membres encore une option militaire parce que. Déjà connu la PSAKI Bango, mandat déjà à travers la résolution 27-47 Yamaso Zina. Voilà un peu Banamboka. Mais au moment où il y a des discussions, dans le niveau il y a SADC, dans le moment où il y a des discussions, et où il y a des entre les présidents Joao Lourenço et Kagame, au moment où il y a eu des discussions entre le président Joao Lourenço et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est toujours dans ce moment-là, puisque les Rwandais, par exemple, nous prêtaient à quitter son Congolais, Kagame a envoyé une délégation au Yubalongwa qui Awa, qui est directement dans les États-Unis d'Amérique pour la cause à la lobby avec des millions de dollars. Enfin, que les États-Unis d'Amérique, Baloukabassa en 2000, a influencé le politicien américain pour que Banoumé ait changé. Et en même temps, Kagame aussi est en contact avec une entreprise française, Oyubasolola Kinaye, où Kagame a promettre à Kopé Sabango à minérer. Tout cela est fait de sorte que Kagame tentait de chercher d'une manière, d'une autre, pour que Apokakosa a pu doubler le processus de paix ou bien à bloquer l'accord de Luanda. Puisque l'accord de Luanda n'est pas encore économique et c'est sa guerre. Voilà maintenant les manœuvres qu'il est tenté de faire au moment où nous parlons. Essayer d'influencer le gouvernement américain. Mais de l'autre côté aussi, il est en difficulté parce que la Belgique ne cesse d'insister que non, il faut simplement sanctionner les Rwandais. C'est pourquoi au moment qui dernièrement a avoir une relation bilatérale entre la Belgique et le Rwanda. Ils arrivent vraiment à point mort à tous les plans. Et voire même la déclaration, il y a un ministre, il y a un politicien belge. Dans le Parlement belge, voire même dans le Parlement et l'Union européenne, la déclaration, les amis, vraiment la déclaration forte contre le Rwanda.
Wana place ma député France, ma député belge, ma Bazali Kourouba, clairement devant tout ma collègue dans ma union ce qu'il y a agression. Paul Kagame ne supporte pas ça. Ma déclaration au Ezokoubima, dans mon nom, il y a ma autorité belge. Au Bazali pour confirmer agression. Pour Kagame, il ne veut pas qu'il va bien dans mot agression. Mais la Belgique ne cesse d'insister auprès même de l'Union européenne, voire même auprès des Américains, pour leur dire que nous devons sanctionner le Rwanda. De tous les moyens, il faut sanctionner le Rwanda, puisque le Rwanda a eu ça, ils ont eu l'agression. Mais tellement que la Belgique, la cité qui peut comme FDL, il y a un Rwanda, et pour ça que le gouvernement congolais a accepté l'option Rwanda, a accepté, bon, ça va. Comme vous citez, pour que la déclaration non se pourrait assimiler, que personne encore a cité Congo et FDLR, Nakatia Makambu, Italie, Congo, parce que le gouvernement congolais a l'acquis volonté, il y a qu'on peut même envoyer des experts, puisque la mission sera conduite par la MONUSCO, mission qu'on va faire ad hoc, où il faut rassembler des experts, il y a renseignement, il y a Rwanda, il y a RDC et Pina Yamola, soutenus par la MONUSCO, où il va occuper l'intérêt pour nous pouvoir pas pour ça, pour appliquer le plan Rwanda et la neutralisation de la FDLR. Alors, ce plan-là, lorsqu'il sera exécuté, et bien, il va exécuter et vous allez la force Kotobengi Sami Diaksi, la force régionale Yassadeng. Il y a des fois appliqué plein à vous neutraliser ma FDLR. Mais attention, à vous neutraliser non simplement ma FDLR, à vous neutraliser mais toutes les forces négatives sur le terrain. Et les forces négatives sur le terrain, ils arrivent à Nani. Les forces négatives sur le terrain, ils arrivent même à FC Ananga, voire même MM23. Pour eux, ils ont considéré le col annonce dans le monde ma force négative. Voilà un peu ce qui s'est passé dans le niveau de Zimbabwe. Mais toujours on a Zimbabwe, tout le monde est par rapport à Joseph Kabila, qui a une délégation, pour que va plaider envers Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que Kabila ait une zone dans la sol congolais. Bana Boka, Congo, na téléma qui m'a persuadé pour dire quoi? Pour dire que. Na kacha makambo oyo tali oyo place Kagame azali kotumbe, il veut simplement que Tshisekedi pe andima retour au pouvoir, le retour aux institutions, il y a FCC. Quand on dit FCC, on voit directement AFC, puisque AFC c'est Kabila. Maintenant, na niveau d'Afrique, na niveau de Zimbabwe, la délégation il y a pas il y a Kabila baillé pour na kuku dans la présidente Namangwa. Le collègue va se faire bien présent dans l'angle au Zimbabwe pour que ça la médiation entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila, de sorte que l'IPPRD ou bien FCC, l'institution, c'est où on n'est pas Tshisekedi perd la catégorique pour la colombie et aussi battre parce que Kabila déjà. Yozana groupe armé déjà, donc qui est AFC. Vous voyez que Kabila Nengasawana, c'est un multimilliardaire, il a beaucoup de milliards à investir dans le supermarché dans Kinshasa, Awa, partout au Congo, Azana va bien à gauche et à droite. Et malgré Azali Banamoka, il se sent mal à l'aise. Il cherche de quel moyen à Kouzonga. C'est pourquoi Aya qui combat et puis à Kenek Kosenga. Le président de Zimbabwe pour que alors la moins médiation au et pour permettre y à l'Ukasani à zone à peine à quatre institutions mais voilà le président de la République a initié que s'il veut et que à besoin la calme à neutraliser dans Afsenaye au Zanana à neutraliser et puis voilà des possibilités et qui pourrait pour moi après. Mais le président a été catégorique devant Joseph Kabila, dans la délégation de l'Aïe Bayaki.
Voilà maintenant le moment où le niveau de la SADC, ils arrivent maintenant à la minute dirigé par le président du Zimbabwe, Nangagwa, après le ministre de l'Église, n'a joué le réseau. Mais le président, au Togobenga et à Zambie, il peut obtenir une présidence à la commission au niveau de la SADC. Voilà maintenant la SADC à Otokorobaka, vous allez vous préparer au cas où écrit le 20 après réunion interministérielle entre le ministère, la RDC, la Rwanda et puis Angola, ce qui est une solution politique réclamée par les Américains. Et ça l'a mis que Rwanda a pris une décision maintenant pour que Sami DRC abandonne l'attaque. Voilà un peu la situation politique qui a est et RDC. Voilà pour répondre à la question. Et puis, vous aussi, vous pouvez poser une question, vous pouvez commenter la carte de l'émission. Et nous sommes habitués à revenir un peu pour faire ça par réponse. Nous avons une question par rapport à la situation à est et à RDC. Moi, je vous pose une question. Alors, maintenant, après les 20, si les choses ne marchent pas, est-ce qu'il y aura une intervention? Ou on a des questions, moi quand on a banni un bon Congo à tout le qui et il y a moins là pour répondre. Le 20 août, au réunion interministérielle et tout ça, ce qui est que solution et modalité, en tout cas l'intervention aura lieu. Puisque déjà ça a été assez, c'est préparé dans la moyenne. Et voire même, cette fois-ci, pour moi, on a même pas volé, pas pour autant la gâte à ma tambour. Puisqu'il y a déjà des matériels. Tous les pays membres, il y a Sami, il y a SADC, sont prêts à financer Sami DRC. Et ils ont dit ça qu'ils vont donner tous les moyens. Comme je viens de vous le dire, pour payer ça, par moyens financiers, par moyens techniques, tous les moyens, ils leur seront donnés. Puisque, on va leur dire que la mission n'a pas au Sami DRC, ils allaient imposer la paix. C'est pour cela que vous avez entendu Kagame dans le discours de l'investiture à lui que puissance de mon côté et qu'on maintenir et qu'on tape dans la RDC, puissance de mon côté. Sans que ma colo, ma momo, ma colo, ma cambal, ma cosaï, ma cosaï, donc pour lui, il voit que malgré sa médiation et qu'on posait péter parce qu'il avait entendu. Il y a tout ce qui est bien créé, c'est Sami DRC qui est à quoi imposer bêtement est la RDC. Moi, je vous souhaite une question à lui. Sami, la mission de Sami DRC est-elle vraiment offensive? Moi, je vous retourne la question puisqu'il est tenté d'hésiter. Il est tenté de. Il ne croit pas que force à Sami DRC est offensive. C'est ce genre de questions qu'il m'a posé. Parce qu'a constaté que plus d'une année au Bimba, Sami DRC a été une sorte congolais, mais a été bondaté. C'est pourquoi moi, je suis tout à fait vraiment une mission offensive. Je peux vous répondre comme ça. Mission de Sami DRC est une mission qui a imposé le pays. Et la offensive ou pas, mais leur mission, c'est de mettre la paix à l'est de la RDC. Alors, quand on met la paix, c'est-à-dire qu'il faut que le mouvement aux unions soit négatif. Parce que déjà, selon Sami DRC, AFC et M23, ce sont des puissances, ce sont des forces négatives. C'est pourquoi, au monde qui est encore à Rwanda, Sami DRC et à cause de la sous-souligne, Sami DRC a été obligé. Il y a pour accomplir, pour mettre en place le Londres et l'Outskoroba, accord, il y a Luanda. Et il y a pour suivre la procédure, pour suivre mot à mot l'accord de Luanda. Donc, c'est là qu'il oblige d'être offensif, dans le moment où il y a un monde qui est, il y a des forces qui s'opposent et qui ne veulent pas qu'il y ait la paix en RDC, Luanda est pour ça, obligé. Il y a pour Kendini pour mettre maintenant la paix par la force. Voilà un peu la question de la boucle pour la par rapport à
ça me dit ainsi. Et je l'ai répondu. Et il faut aussi savoir que Sami Dia Siwana a bunda quitté pendant toute une année, puisque l'on peut créer mon méfiance. Il y a la Congolaise à l'inini, puisqu'ils ont constaté que Sami Dia Si a bundité pendant plus presque une année. Banda Zalaka installé, a bundité. Mais il faut savoir que Sami Dia Si a bunda quitté parce qu'il n'avait pas encore reçu le mandat de l'ONU, puisqu'il fallait le Conseil de sécurité après ce mandat. Maintenant, mon maos Conseil de sécurité a perçu le mandat de l'ONU. Grâce à la diplomatie, après Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisque à niveau de l'Union africaine, nous avons déjà notre frère congolais, Oyo Azali Lokola, président de la commission de la paix et sécurité de l'Union africaine. Celui-là avait pour travailler un peu vite. Oui, mais ma qui et qui décision à niveau de l'Union africaine va penser que mon mandat n'a pas mis à si. Oui, tout le monde qui Kagame n'était pas content parce que Kagame a tinda qui batoumaye, a tinda qui a commis la qui Moussa Faki, ou a d'ailleurs le président de la commission de l'Union africaine pour intercaler cela, mais cela n'avait pas réussi. Au moins, il s'est mis à si avec des mandats à niveau de l'Union africaine. C'est pour cela qu'on va être condamné. Maintenant, le COLA, Nations Unies, au travers du Conseil de sécurité, va passer maintenant mandat. Wana maintenant, ils allaient obliger hier maintenant à Bunda. Wana, ils ont dit, au PSA, moi, je n'ai pas de réponse pour que Akoka pour comprendre ma gamboué Kolikana. Mais, pas de Mboka, je ne suis pas comprendre que, dans le moment où il y a tout ça, la guerre, dans le niveau de la Est et de la RDC, la RDC particulièrement, mission à Sami Dia Si et Bougnandel, non. Mais dernièrement, Awa, pas plus loin qu'hier, nous avons constaté une unité spéciale dans une formation dans l'Égypte et Israël. Dans une Kouya, où nous avons pu répondre à Bougnandel, puisque la RDC à Bougnandel est partout dans l'Est, puisque c'est son pays. C'est ça la mission, il y a militaire ou bien force armée congolaise. Ils ont une mission pour maintenir, pour dire pour chasser aux bananes, aux terroristes dans le sol congolais. Alors, dans le moment où Sami Dia Si, à Kobunda Nandenaye, ou bien force armée congolaise, il est à Kobunda Nandenaye. C'est pourquoi, au moment où on a causé un boka, à Tchaki, à Kriya qui se lit, au Yotokoubé, dans la Kopoya, Tax Force. Wana ils allaient pour simplement couper la macabre surtout quoi ils allaient niveau à fond pour étudier ma faiblesse n'a pas point fort pour que dans le moment où ils s'engagent pour que le Kobunda va quitter la terre va bunda pour que va mettre mon monde. Voilà un peu ma situation où ils allaient. Donc où y a les soucis pour la couper les sabans en boca tout ce qui se passe na est et RDC où ils passent ni ni bitumba ils allaient Kobunda. Je crois que ma point surtout est d'aller aborder Yopo Koki Kokoma, Yopo pour commenter et puis liker, partager l'émission pour que Bana Mokano surtout, Oyo Bazali partout, Baye Bamaka Mokongo, Mokanabino, Mokanabiso, pour que Bissonio surtout au Sarana, le roi Motomoko, Tobé Nanamouna Ibanda, Pene Kotana SRDC. Wana est à la Kine Konabino, Oyo Yemina Kono, Yamuloto. Numéro dans ma téléphone, plus 243 89 40 330 plus 243 89 40 330 80.